Rebonjour à tous, merci de vous retrouver dans l'amphithéâtre de l'Institut français de Maurice. Je vous présente Stewart Nelson Casimir, je vais vous accompagner durant cette journée justement pour une table de discussion où je vais avoir avec moi en trois tranches de discussion avec des danseurs, des jurys et organisateurs autour du thème de la danse urbaine. Avant toute chose, je vais vous demander d'applaudir justement toute l'organisation du festival Musée et aussi toute l'équipe de l'Institut français de Maurice. Là, je vais citer les noms de Madame Muriel qui est là et aussi Emmanuel qui nous ont aidés justement à organiser ce festival. Et aussi l'ambassade de France. Vous pouvez demander d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, de l'ambassade. Alors, pendant une vingtaine de minutes, nous allons justement faire la connaissance de nos amis danseurs qui sont déjà sur place ici. On va comprendre un petit peu d'où elles viennent, comment elles ont démarré un petit peu la danse, comment ça se passe dans leur pays et surtout quelles sont les attentes autour de ce festival, les attentes futures en quittant cette belle aventure. Je me retrouve avec Wafa, danseuse afro de Djibouti et chorégraphe de la compagnie Jeep Finance. On peut l'applaudir. Nous avons aussi Jania qui est prof de danse et elle fait des ateliers un peu partout en Europe. Elle est aussi très très connue dans son pays, au Madagascar. Jania, on peut l'applaudir. Et j'ai aussi avec moi Janine qui vient des Seychelles, elle est aussi prof de danse au Diamonds Dancing Club. Si on peut applaudir Janine. Alors pour démarrer justement la conversation, je pense qu'on se pose tous la question, on aimerait vous connaître un petit peu plus, peut-être vous pouvez vous présenter quand vous avez démarré dans la danse et comment ça se passe justement pour vous. On va démarrer avec Wafa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Wafa Mohamed et je viens tout droit de Djibouti, un petit pays en Afrique de l'Est. Bon, c'est pas trop connu, mais ça va maintenant, ça commence à se connaître. Donc j'ai débuté la danse en 2012, j'avais presque 14 ans et pour moi la danse c'était vraiment, je peux résumer la danse en quatre points essentiels. Déjà, le premier point, pour moi, la danse a été une forme d'expression corporelle qui libère des émotions et qui a pu montrer qu'on peut transmettre ça à travers des gestes, des mouvements, sans pour autant transmettre ou dire des mots. Et deuxièmement, la danse, c'est une forme d'art qui regroupe mouvement, rythme et créativité. La danse permet de créer des histoires, de faire des créations, d'explorer les idées de chaque chorégraphe à travers le corps. Troisièmement, je pourrais dire que la danse, c'est un reflet de la tradition de chaque pays du monde. Parce que le monde, déjà, chaque pays est différent. Chaque pays a sa propre tradition, sa propre danse, ses propres cultures. Et je trouve que c'est la diversité, c'est vraiment cette différence-là qui rend la danse unique en son genre. Et c'est ce qui fait la beauté de la danse. Quatrièmement, la danse, pour moi, c'est un sport physique. Et je trouve qu'il n'apporte que de la positivité quand on la pratique. Ça nous permet de maintenir notre corps au long terme et de garder une bonne santé. Et du coup, j'ai commencé en 2012 avec mon premier groupe. À Djibouti, bon, la danse urbaine n'est pas très valorisée, mais on a fait de notre mieux pour changer les mentalités dans mon pays et de faire en sorte d'avoir une certaine considération au fil des années. Ça a pris du temps, parce qu'actuellement on est en 2024 et c'est juste que maintenant qu'on arrive à se faire voir et à avoir plus de visibilité. Au début, ça a été dur, mais on n'a pas lâché l'affaire. Le secret, c'est vraiment la persévérance. C'est notre passion. On le fait depuis 2012 et on a réussi à regrouper un groupe de jeunes motivés et passionnés par cette passion. Et voilà, et on continue toujours à le faire. Ce festival, le Festival Bouzé, est une opportunité, une grande opportunité pour nous parce que je trouve que regrouper différents pays dans un seul endroit, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est un moment de partage, de connexion entre différentes cultures, différents types de danse même, qui ne sont pas les mêmes dans les pays.
Et le but vraiment, moi, pour moi, personnellement, je voudrais vraiment refaire, pouvoir refaire ce même festival avec d'autres danseurs d'autres pays, dans mon pays à moi. Le faire pareil dans un autre pays, qui est peut-être celui de Madagascar, Seychelles, on fait la même chose. Vraiment, l'objectif, c'est le partage. Partage des idées, de tout ce qu'il vit dans cette pratique qui est la danse. Merci beaucoup. À Jamia qui venait de Madagascar. Même question, Jamia, comment s'est passé tes débuts, comment ça se passe justement dans ton pays pour avoir la danse, comment tu évolues? Bonjour à tous et à tous, je suis Jamia Blastine de Madagascar, je viens de la côte est de Madagascar et je suis fondatrice, directrice, coach et chorégraphe de Blastine Company. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. Après, à l'âge de 7 ans comme ça, malheureusement, j'ai eu un accident. Du coup, j'ai dû arrêter dans la danse. Après, j'ai repris quand j'avais 11 ans et j'ai commencé à me professionnaliser dans la danse à partir de 13 ans. Au début, j'ai commencé par le breakdance et après le hip-hop. Après, j'ai essayé de m'ouvrir sur d'autres styles de danse, comme le dancehall, afro, crump aussi. Et jusqu'à ce que j'ai fait de la danse contemporaine et la danse traditionnelle aussi, parce que c'est ça en fait, c'est ça un peu, je pense, qui me rend un peu spéciale, parce que j'ai de la polyvalence dans ce que je fais. Et donc voilà. Après mon parcours dans la danse, j'ai créé mon propre groupe en 2014 qui s'appelle Blastine Crew. Et on a déjà fait des compétitions nationales et tout ça. On a remporté pas mal de compétitions. Après, moi personnellement, dans mon parcours personnel, en 2017, j'étais la championne du Dancehall Master World Madagascar. Et en 2018, j'ai remporté le prix de la meilleure découverte artistique lors d'un festival international à Madagascar. C'est ce qui m'a permis de voyager pour la première fois, quand j'ai gagné une bourse. Et en 2020, y avait le Wake Up Session Online, organisé par Wake Up Session. Il y avait le battle Afro Intervention Indien, où j'ai remporté le concours. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui, parce que enfin, autrefois en 2020, c'était notre rêve de pouvoir vraiment rencontrer vraiment de vrai les danseurs. Et ça fait beaucoup plaisir, parce que c'est vraiment autre chose, c'est vraiment notre vibe, c'est vraiment notre énergie quand tu rencontres les personnes en vrai. Et je remercie Wake Up Session pour l'organisation et tout, et pour l'invitation aussi, ça fait plaisir. Et... la danse chez nous à Madagascar, c'est énorme, hein, parce qu'on a beaucoup de danseurs, que ce soit à la capitale ou que ce soit sur les côtes, il y a vraiment du potentiel. Mais je pense même que ce qui nous manque, en fait, c'est un genre d'événement comme ça. Et j'espère qu'on arrive à faire beaucoup d'autres, comme elle avait dit tout à l'heure, sur d'autres pays aussi, pour amener plus de danseurs afin de montrer leur talent. Et voilà, pour pouvoir qu'ils évoluent encore plus. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Maintenant, je vais vous terminer justement avec Jamy. Pour vous parler de la question, comment tu as démarré dans la danse et aussi comment ça passait justement au session, pour la danse. Bonjour, ma mère Jamy, nom Sati Cécile. Et moi je commence à danser à 9 ans dans l'école de la danse Cécile. Quand moi je danse pas trop pour un Bali. Et après, plus tard, à 15 ans, j'ai rejoint la troupe La Zine Cécile pour la danse, qui est aussi. Et plus tard, en 2019, j'ai décidé comment
ouvertement pour la classe passée. Moi, je crois Cécile, l'âge 4 ans, jusqu'à 17 ans. Et la danse de Cécile, il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de talent. C'est vrai, il y a du monde qui connaît l'énergie, motivation, détermination. Et avec mon support, il nous gagne, je suis une bonne maison du monde. Il fait possible pour les gens qui vivent, pour qu'ils puissent exposer. Et pour ce festival qui nous a fait là, pour aller dans l'opportunité, parce que nous avons l'école, nous participons à plusieurs activités. Nous faisons budget, nous avons l'Afrique, nous avons la Réunion, même Maurice, je fais une compétition en 2022. Et ça permet de nous gagner beaucoup d'exposure. Beaucoup de gens m'accompagnent quand ils viennent vers nous. Et là, pour pouvoir se faire, ils commencent à gagner nos mains parmi les gens dans l'océan Jean. Et nous gagnons la chance de participer à cette compétition-là. Il y a un grand plaisir qui nous est capable de faire des choses dans ce pays, qui nous a fait plus pour la population. Il y a des gens, beaucoup de gens parmi nous, qui ont voulu visiter Cécile, qui avaient l'opportunité de nous visiter Cécile pour pouvoir participer à l'autre. Merci. Je vais profiter du fait que vous venez de trois différents pays pour poser la question. Malgré ce festival ici, on a rencontré, je sais que Kenji a rencontré pas mal de problèmes notamment pour la mise en place de ce festival, même si là, Urbain connaît vraiment un tremplin en ce moment, un gros tremplin. Chez vous, quel est le problème justement que vous rencontrez par rapport à votre la danse? Là, Urbain, est-ce que c'est en termes de visibilité? Est-ce que la promotion se passe bien? Quels sont les problèmes que vous rencontrez chez vous en termes de danse? On va démarrer justement avec toi. Moi, notre problème de notre pays, je pense qu'on n'est pas assez soutenu. On est financièrement parlant, ce qui veut dire que genre on n'est pas assez soutenu, genre pour par exemple si c'est pour représenter par exemple une compétition et tout ça, c'est difficile de pouvoir trouver des financements par rapport à ça. Et d'habitude, par exemple on organise des compétitions et tout pour qu'au final on ne pourra même pas partir. Quand par exemple, c'est ce qui s'est passé avec moi en 2017, quand j'ai fait le Dancehall Master World Madagascar, là, on avait remporté le Dancehall Master World. Après, on devrait faire la finale à Paris. Et on n'a pas pu parce que justement, on n'avait pas été assez soutenu pour pouvoir y aller. Voilà. Après, côté visibilité, je pense que la danse a quand même déjà pris une grande évolution. Côté visibilité à Madagascar et ça commence déjà à évoluer un peu. Il y a des danseurs qui commencent à arriver à vivre de la danse, mais on est encore dans le combat malgré ça. Voilà. Et Jamy aussi, bon, tu m'en viens Jamy maintenant, qui pas de problème justement, ils ont dû rencontrer au CCL comme cause la danse. Est-ce que tu as un problème de visibilité, soutien sur la cause? Oui, dans le pays, il y a un problème d'exposure, il n'y a pas assez de compétition pour les jeunes. Et nous, on est capable de faire l'opportunité pour les gens, ce n'est pas facile. Pour les gens travaillent, on est capable de dire que les gens ont une bonne connexion, une bonne entente, on est capable de faire un soutien financier, on est capable de participer. Je me tourne vers Wafa maintenant, je vais prendre le micro. Quand on a démarré la conversation, tu as parlé de l'ambition d'essayer d'organiser un festival comme ici chez toi. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez qui peut-être pourraient t'empêcher ou être un obstacle pour que tu puisses reproduire ou organiser un festival international chez toi? Alors déjà, comme je l'avais dit avant, chez nous la danse urbaine n'est pas valorisée du tout. Donc, aucune chance d'avoir un soutien, que ce soit financier ou... parce que ce qui manque chez nous déjà, c'est... ça a été difficile d'instaurer une certaine considération à ce genre de danse chez nous. Mais on a réussi maintenant, mais je pense que ce qui manque chez nous, c'est vraiment la visibilité, le soutien financier et surtout, les formations.
On n'a pas d'école de danse chez nous, on n'a pas accès à des profs, des coachs qui viennent nous aider. Donc des formations, on n'en a pas aussi. Donc je pense que vraiment ça, c'est un obstacle. Mais bon, ça n'a pas été pour certaines personnes. Ben, si on aime un truc, s'il y a la volonté, on peut le faire. On est passionné, on regardait des vidéos malgré tout, malgré voilà, l'absence de ce soutien-là. On essaye de voir les vidéos sur YouTube et tout, et reproduire la même chose. Et finalement, on a réussi à être considéré à la fin et à être soutenu par l'Institut français de Djibouti, qui nous a donné l'accès à une salle de répétition, parce qu'à l'époque, on n'avait pas accès du tout à un endroit pour répéter avec le groupe. Ça a été très difficile, on le faisait dehors, carrément, avec un petit baf à côté. Donc, mais l'Institut français de Djibouti nous a offert cette opportunité d'avoir une salle, et tout a commencé là. C'est avec eux que ça a commencé, avec cette salle de répétition. On a eu la chance cette année d'avoir une petite formation avec un groupe de danse venu de Congo-Brazzaville. Et c'était une première pour nous, ça a duré une semaine. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir, on aura plus de soutien en termes de financement ou formation. Et voilà, c'est tout. Vous êtes tous les trois artistes. Est-ce que c'est facile pour vous de vivre de votre art, ce que vous le faites déjà, c'est votre métier, ou vous devez trouver un autre métier en parallèle pour pouvoir soutenir justement en vous amenant? Alors à Djibouti, on ne vit pas de la danse, malheureusement. C'est impossible pour l'instant. On ne sait pas pour l'avenir. Mais pour l'instant, personne ne vit de la danse. On est obligé de chercher du travail, de faire un truc à côté, malgré tout. Mais on essaie de gérer entre les deux pour nous. On danse, mais on travaille aussi. C'est difficile de gérer les temps. Et c'est fatigant à un moment, des fois tu craques. Mais on continue malgré ça. Et on espère un jour vivre de la danse. Alors moi, personnellement, moi je vis que de la danse, je fais que de la danse en fait, et je peux vraiment dire qu'on peut vivre avec la danse, parce qu'il n'y a pas que moi, je sais aussi qu'il y a mes équipes Blasting Crew qui sont en train aussi de pouvoir vivre avec cette passion-là, parce que bon, chez moi on a... En fait, moi, on a une école de danse qui s'appelle Blasting Dance School, qui est située à Tana, à la capitale, et aussi à Touamasina, sur la côte est de Madagascar, qui regroupe actuellement plus de 500 élèves. Du coup, ça me permet à moi et à mes équipes de vivre de notre passion. Et aussi, on a aussi des spectacles et tout. Voilà quoi. Enfin voilà, mais tout ça c'était grâce à la persévérance, parce qu'au début c'était vraiment pas ça. Et je pense bientôt élargir encore plus mon école pour pouvoir acquérir encore d'autres danseurs, d'autres profs, afin de pouvoir aussi leur aider dans leur vie quotidienne. Voilà. Merci beaucoup, Jan. Je me tourne vers Jan. Alors, Jani, côté aussi au CC, comment ça a passé en termes de danse? Est-ce qu'il est facile de vivre de la danse? Quand vous avez un travail, que vous avez fait le travail à côté, et garde la danse, comment une passion est-ce qu'il est capable de vivre de votre métier? CC, si vous pouvez faire ce série pour la danse, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Définitivement, vous pouvez faire quelque chose que vous pouvez. Je vous dis, mon père, vous avez la danse pour faire mon business. Définitivement, this is the right thing for you. À cause, si on n'a pas l'amour, dévotion, on ne veut pas nous parler, like, tous les jours, sacrifice, tous les effets, si on peut se donner, on ne veut pas nous parler. Et si on peut dire que tu veux que mon père gagne, tu as plus peur de qu'il gagne. Donc, c'est ça aussi pour vivre la danse. Pas possible du tout. Et en termes de technologie, comment ça se passe? Quelles sont les technologies que vous utilisez pour pouvoir promouvoir votre art, la danse que vous pratiquez? Alors, chez nous, on utilise surtout le Facebook. Hein. Chez nous, c'est surtout Facebook parce qu'on a genre presque les 90% des gens dans le pays utilisent Facebook. Et c'est là qu'on promouvoit tout, en fait. Et c'est suite à cela aussi qu'on a pu avoir de visibilité.
et pour pouvoir agrandir notre compagnie. Voilà. Jamie, parlez de la technologie, de service SE pour promouvoir l'or, la danse. Je sais pour Internet. Vous avez YouTube, Facebook, TikTok, beaucoup de médias pour nous capables de faire nos gagnants pour le système pareil pour les pays. Donc, vous avez beaucoup de choses comme ça pour nous capables de gagner l'exposure pour nos bonnes enfants là-bas. Ou enfin, les technologies que vous utilisez pour la mise en avant de votre projet. Alors déjà, au début, on n'avait aucune idée que les réseaux sociaux étaient un bon moyen pour avoir de la bonne visibilité. Ça nous a pris du temps pour comprendre ça, parce qu'on n'en était pas conscient vraiment. Et puis après, on a commencé à prendre des petites vidéos avec nos téléphones, parce qu'on n'avait pas de caméraman et une équipe de production, on n'en a pas, on utilise avec les moyens du bord, donc nos téléphones et tout. Et tout a commencé avec Facebook aussi, Instagram, et maintenant ça explose avec TikTok surtout. TikTok qui prend beaucoup de visibilité à ce niveau-là. On a aussi avec en termes de temps, un petit peu c'est resserré. Peut-être ma dernière question, j'ai remarqué qu'il y a un point qui vient très très souvent quand on parle des difficultés que vous rencontrez dans la danse. On a parlé du manque de soutien. Si on devrait justement changer quelque chose chez vous par rapport à ce manque de soutien, qu'est-ce qui devrait changer pour améliorer ce côté-là? Plus de soutien. Comme vous avez dit, vous avez l'Institut français chez vous, mais par rapport à ce soutien, qu'est-ce qu'on va changer? On a l'Institut français, on a l'ambassade de France de Djibouti aussi qui nous aide à ce niveau-là. Et on a aussi maintenant le ministère de la Jeunesse et Culture de Djibouti qui commence à voir ce qu'on fait et à considérer vraiment notre talent. Et dès qu'ils ont vu l'année dernière, ils nous ont envoyés au Congo pour les Jeux de la Francophonie qui se passaient au Congo Kinshasa. Donc voilà, vraiment ce qui manque chez nous, c'est les formations et bon, le financement c'est après, mais surtout la formation, pour nous la formation. Jan. Pour avoir de la soutien, je pense surtout, d'après mes expériences, c'est toujours de rester visible parce que c'est, en fait, en gros, c'est surtout les grandes sociétés qui nous soutiennent un peu dans le truc qu'on fait, de ma part. Donc, et ce qui leur intéresse, en fait, c'est la visibilité. Donc, du coup, je pense que c'est une bonne manière de pouvoir pousser les sociétés ou les gens, ou le public même à nous soutenir en fait. Voilà. Et maintenant, votre nom est Jamie, pour conclure, Jamie, tu as aussi un sécheur qui vise à changer pour capable peut-être gagner plus de soutien. Comment se fait pour capable attirer cette soutien que tu peux gagner? C'est évidemment plus support financièrement, physiquement, moralement. Et qui est capable et nous va danser à l'équilibre, plus collaboration et par l'engagement, qui plus d'informations qui est passé, qui est capable aussi d'aider à créer l'exposure pour nous avancer. C'est ça. Sur ces belles notes, on va terminer cette première partie de conversation. Je vous rappelle que j'étais avec Wafa, Jalia et Jamie, nos amis danseurs. On va continuer dans quelques minutes avec notre prochaine table de discussion. Merci et restez avec nous, on va continuer.